Hey, cette semaine, un cocktail assez difficile, mais que délicieux, le Ramos Gin Fizz. Alors, ça nous prend un verre à Tom Collins, un peu plus haut que la moyenne, 2 onces de gin, un demi-citron, une demi-lime. Et là, c'est là que ça se complique. Un blanc d'œuf. Et là, vous allez dire, ish, je suis pas sûr. Pas vous autres qui décidez, c'est moi. 1 once de crème, une petite liqueur de fleur d'oranger. On va se mettre un petit trait de ça. De la vanille ou de la vanille, c'est selon, là. Pop, pop, pop. On se met un petit peu de sucre là-dedans, 1 once. On va se mettre de la glace. Quand ce cocktail-là est inventé, les gars le brassaient pendant minimum 5 minutes. Mais moi, je vais le shaker pendant 1 heure et demie. Une fois que vous ne sentez plus les avant-bras, on arrête. On arrête, tout dépendamment d'où est-ce qu'on vient. Et sans la glace dans le verre. Et là, on va se rajouter un peu de soda, bien que ça mousse. Des petites pailles, une feuille de menthe, un petit quartier de citron. Et voilà, le Ramos Gin Fizz.